famille, on a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers. Elle réalise mon rêve là, vous savez pas. Ayez une copine comme elle en fait. Salut la team Pognon, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, nouveau vlog les gars. Depuis vous me demandez un vlog, aujourd'hui c'est aujourd'hui, aujourd'hui vous avez votre vlog. J'avais dit que je ne vloguais pas tant que j'avais pas de caméra, j'ai toujours pas de caméra, mais je me suis dit bon vas-y, je vais pas faire la meuf à ne pas vloguer, à ne pas filmer parce que j'ai pas de caméra, donc on va faire avec les moyens du bord. Là il est actuellement 9h54, je suis réveillée parce que je commence à 11h le taf et je finis à 16h. Donc aujourd'hui c'est le concert de Nino les gars, je suis obligée de vloguer, je commence à 11h donc je quitte chez moi vers 10h30, 10h40, mais pour gagner du temps je vais coller ma wig. Comme ça, quand je reviens, j'aurai juste à me relaver vite fait, à me rincer le visage et ensuite commencer à me maquiller. Mes cheveux seront déjà collés, tout ça, tout ça. Donc, j'ai vraiment gagné du temps parce que je finis à 16h, le temps d'arriver, le temps de me préparer, le temps d'aller récupérer ma pote. Le concert, il commence à 20h, sachant qu'elle, elle finit à 18h. Donc, quand elle finit le taf, il faut aller la chercher, courir au U-Arena, trouver une place, se garer, nanani, nanana. Et ensuite, enjoy, bref. Bon là les gars, je viens de rentrer chez moi, ça fait trop bizarre de vlogger avec mon téléphone. Je viens de rentrer chez moi, il est actuellement 16h, il est 16h29. Là je vais manger un tout petit peu, il faut que je quitte chez moi à 17h30. C'est la course, donc là je vais manger mon béca. Et bah, on va commencer à se préparer en fait. Vraiment ça va être un petit get ready with me et un petit vlog. Genre il y aura la partie get ready with me et il y aura la partie vlog. Toute la partie Get Ready With Me sera en rapide, les gars, parce que comment vous dire que j'étais dans un rush incroyable et un retard, laisse tomber. Toutes les informations de ma wig sont en barre de description de ma dernière vidéo, les gars. Et à propos du make-up, je vous laisse aller checker ma vidéo make-up routine. Je vous montre tous les produits que j'ai utilisés. Ce sont les mêmes produits que j'ai utilisés durant cette vidéo. Là, je suis clairement en retard, les gars. Donc là, j'ai mis encore un peu de GoToBe pour bien coller ma wig. Mon petit outfit, j'ai mis un petit top de chez Shein que j'ai présenté dans mon dernier haul Shein. Avec un petit pantalon de chez Bershka. Comme ça, j'aime trop la couleur. Avec un petit, des petites Doc Martens, mes best, les plateformes. Et mon petit sac Valentino que Jamila m'a offert à mon anniversaire. Ma petite veste, elle vient de chez AliExpress. Et bah ma wig, FNG Wiggins Hair. Là je suis grave en retard les gars. En fait là il y a un imprévu de ouf. Faut que j'aille chercher Henrienne, King Henry pour ceux qui connaissent. Et faut qu'elle ait imprimé sa place à la FNAC parce qu'elle trouve plus sa place. En fait tout étant rapide, j'ai pas eu le temps de bien expliquer ce que je faisais. Mais du coup voilà, là je vais prendre la route. Arrive au concert, je vais laisser ma veste parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir trop chaud et d'être trop encombrée. Mais bon voilà, c'est la course les gars. Donc les gars, là c'est la course. Il est 17h49, j'ai 20 minutes de retard. Bah là, faut que j'aille récupérer Henrienne. Après, faut que j'aille récupérer Divine. En fait, je vous dis Henrienne parce que les deux, elles s'appellent Divine. Bon là, j'ai récupéré Divine. Du coup, j'ai récupéré les deux, Divine et Janice. Les gars, j'ai tapé une voiture. C'est trop compliqué. J'ai fait l'accident de voiture. Eh bref, je vais raconter à la fin. On se la story time après. Direction Nino. Bon, je parle avec mon téléphone. Les gars, on est arrivé. Ça fait trop bizarre de vlogger avec mon téléphone. Merci. On est arrivé après beaucoup de pluie, de péripéties. On s'est habillé en Annie. Et je lui ai dit, tu t'habilles comment? Elle a dit, bah en Annie. Voilà la tenue de Annie. Oh, Annie, moi, tu connais. C'est petit genre outfit, très à l'aise. Très chargeur. Au cas où il y a peut-être de qui me marre. On sait jamais si on a courir là. C'est ou quelque chose. Eh, je sais plus. Mon cas. Je vais même me sentir comme ça, comme il y a une gagne, les gars. Franchement, je sens que je vais regretter d'avoir pris ça. Le haut très sexy, le bas, pas mais il est voilà. Mais vraiment. Les gars, on arrive à l'arche. Il y a déjà grave du bruit. Genre, on entend déjà grave du bruit. Jésus-Christ. Vous savez que je viens jamais dans ce coin. Parce que nous, on est vraiment
On est vraiment du côté 9-3-9-5. Moi je vois Rémi, toi tu vas voir quoi? En fait. Si vous avez raté, nous on est dans le pétage ce soir. Eh, ça commence déjà à chanter alors qu'on est encore loin d'arriver. Mais par contre, c'est super beau la défense. Pourquoi on vient jamais ici faire un petit pique-nique et tout? On s'est pas organisé les choses. Ah, c'est si, les sous-sols de la défense. Elisabeth II. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est beau. C'est là où on rentre, non? 45. Ouais, c'est là. Eh, mais il y a 42, 45. Hein. Bref, on comprend rien. Aux portes, et tout le monde court. 48, mais on rentre. Mais je comprends rien, wesh. Viens, on va rentrer là. On fait la queue là, on rentre là. Parce que depuis, on tourne. Et tellement on a chanté dans la voiture, regardez ma tête, ressemble, je ressemble plus à rien. Mais c'est la première. En fait, ça change du fait que j'ai un concert et il n'y a pas de combattant. Et le concert de Fally m'a traumatisé, les gars. Fally, c'était trop bien son concert. On va encore courir, venons, on court. On s'est trompé, genre on est à l'opposé de notre porte, les gars. Carrément, ça me fait trop pitié. Il y a des gens qui sont devant l'Arena et ils demandent des places, wesh. C'est quel comportement des moins chers, ça? Eh, purée. Ah, j'en ai pas, désolé. Ah, j'ai un prénom. Oui, le truc. Tu vas parler à l'autre, tu dis une parole. Sarah, inconnu. Les gars, on est à l'opposé. Et genre là, bah, c'est MIG qui fait la première partie. MIG, il fait la première partie, mais il y a encore tout le monde dehors, le pauvre. Je trouve que c'est mal indiqué un peu, mais vas-y, je sais pas. Vous allez voir dans le vlog de... Franchement, en plus, on n'a même pas fait de outfit of the day. Bah, c'est pas grave. On n'a pas le temps, on est dans le pétage, on est dans le bruit, on est dans la rapidité, en fait. Mais voit... Regarde Janice, elle a pas ses lunettes, même les escaliers, elle voit pas, wesh. Drama queen. Ah, purée, on est vraiment à l'opposé, là. Entrée 8. Regardez ma copine comme elle est trop contente. Elle réalise mon rêve là, vous savez pas. Ayez une copine comme elle en fait. Ayez une son copine rêve. Comme elle en fait. Je réalise son rêve. Hein. Donc en vrai, je pensais que ça allait être moi qui allait dans le pétage, mais je pense que ça va vraiment être elle. Oh my god. Mais voilà, wesh. C'est mieux la clim aussi là-bas. Il fait super chaud, les gars. C'est une dinguerie. Mais je crois que je vais aller aux toilettes, hein. Les gars, on est arrivé. Comment vous dire qu'on est vraiment en face? On n'est pas en bas, on n'est pas en fosse ou en fosse or, mais... Hey, il y a du monde en fosse, je vous jure, c'est une dinguerie. Oh non, ils vont faire des affaires, hein, pardon. On fait moitié-moitié? Vas-y, moi je vais pas prendre beaucoup parce que j'aime pas trop le chocolat. Du coup, on a laissé Janice et Divine. Elles sont l'autre côté. Nous, on a la porte 410, elles sont à la porte 411. On a dû passer devant tout le monde, là. On a dû passer devant tout le monde. Parce qu'on est trop chaud. Et les jeux, ils sont en minuscule, on dirait des Lego, wesh. On dirait des fourmis. Mais nous, on sera bien à l'aise, par contre. Là, c'est encore plus grand que Bercy. Je suis choquée. Enfin, je le savais, hein, mais le fait de le voir. Et nous, on est vraiment en face, comme si on regardait la télé, quoi. Donc, vraiment, on pourrait le voir là, genre. Oh my god, ça va être trop chic. Écoutez ma voix. Les gars, le concert. Le plus grand concert de ma vie. Incroyable. Je peux croire.
C'était incroyable. Non, ce soir-là, on est sortis. Ouais. Les gars, c'était chaud. Vous savez, Divine, elle est morte 4 fois. Et puis, elle s'est ressuscitée. Divine, elle est morte, elle s'est ressuscitée. Elle est morte, elle s'est ressuscitée. Là, je suis trop contente parce que j'ai réalisé le rêve de ma pote. Mais qu'elle se taise. Je criais comme si... Hé, les gars, je sais pas. Carrément, les gens, ils me regardaient, je m'en fichais. Voilà. On cherche la voiture. Du coup là, on cherche un endroit pour accéder au parking parce que là où on est passé, c'est fermé en fait, vu qu'on est passé par le centre co ou quoi. Et je suis fatiguée les gars. Mais vas-y, j'ai passé une trop bonne soirée. Merci pour tout. Regardez comment elle a plus de voix. En tout cas, je suis trop contente au moins. Ça l'a fait plaisir. Oh, par contre, la défense, la nuit, c'est super beau. C'est satanique, mais bon, je n'arrive pas à me dire qu'en dessous, là, sous mes pieds, il y a des trucs sataniques, là, sous mes pieds. Mais t'as jamais regardé dessus. J'ai peur, moi. C'est... Mais je sais qu'il y a des tunnels, il y a des... Oui. Y a des... Mais ils font quoi? Ça va, mon make-up est un peu tenu. Mon mari. Je pense tout ça pour revenir à la case départ. C'est ridicule. C'est ghetto, là. Regardez où on passe. Je filme quand même, on sait jamais s'il si nous arrive un c'est truc là. Oh. Je te jure, c'était ici qu'on était passé. Oui. Les gars, elle c'est ghetto. On trouve plus la voiture. Mais non, c'est pas là. Je suis derrière dans ma propre voiture. Là, on va déposer Divine avec Cynthia. Du coup, je vous ai même pas dit, mais genre tout à l'heure, les gars, j'ai fait un accident de voiture. En allant prendre Divine à son taf, c'est pas, il y a une voiture devant moi et tout. Et là, on était en pente, il pleuvait. Donc la pluie, enfin, du coup, le sol, il était bien mouillé et tout. Et en fait, devant moi, il y avait une petite voiture, un peu comme une Dacia Sandero. Je roulais derrière elle et tout. Et en fait, la personne, elle a freiné brusquement, genre d'un coup. Et en fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y avait, il avait une fenêtre à droite. Et la personne qui était à sa droite, elle arrivait tellement vite que ça l'a surpris. Il a freiné fort. Et quand je vous dis, j'ai freiné archi fort. Je freinais, mais la voiture, elle a continué à avancer. Ça veut dire que je freinais et quand ça fait le bruit, le... En mode, mes freins, ils sont en mode... étage en mode L1 au max et la voiture elle continuait à avancer. J'ai senti le boum. En fait, j'ai senti que le choc, que là j'ai tapé la choc. Et le mec il a avancé, il s'arrêtait. Il s'arrêtait à droite, il me sur le côté et tout. Et moi j'étais en mode mais wesh, carrément j'ai mis le frein à main les gars pour vous dire que j'arrivais plus à freiner. J'ai mis le frein à main et tout pour que la voiture elle s'arrête complètement. Mais j'avais déjà tapé la voiture. J'ai dit, ouais, monsieur, et tout, faut pas freiner comme ça. En fait, il m'a trop surpris comment il a freiné. Mais après, j'avoue, sur le moment, j'avais pas bien vu qu'il avait sa prenait à droite de la voiture. Je l'ai pas vu arriver parce qu'elle arrivait de nulle part. Donc, j'ai dit, ouais, monsieur, faut pas freiner comme ça et tout. Il dit, oui, mais moi aussi, j'ai été surpris et tout. Je n'ai pas vu la voiture et tout. Il regarde, il dit, non, mais c'est bon, c'est pas grave et tout. Allez-y et tout. J'ai dit, comment ça, allez-y et tout. Genre, on a fait un accident. En fait, j'étais quand même tapée. Je suis rentrée dans ton coffre. Genre, j'ai regardé quand même mon capot. Tu vois, j'étais un peu devant. Il n'y avait rien. Lui aussi, même pas une trace. Il n'y avait rien. Enfin, c'était trop bizarre alors que je l'ai tapé. Et après, il m'a dit, non, mais c'est bon, c'est rien. On ne va pas aller à l'assurance pour ça. En plus, dans tous les cas, même si on va à l'assurance, c'est vous qui allez prendre et tout. Enfin, il n'y a rien. Genre, ça ne vaut pas le coup. Tu vois, vous inquiétez pas et tout. Enfin, en mode, faut que tout le monde se détende et tout, vous inquiétez pas, y a rien. Et moi, j'étais sous le choc, j'étais en mode, mais monsieur, vous êtes sûr et tout, tout ça. Alors que le mec, il me fait comprendre que, hey, c'est bon, vas-y, rentre chez toi, je rentre chez moi. Je me suis dit, vas-y, peut-être qu'il va me demander un petit billet, genre, je sais pas, 10 balles, 50 euros, j'en sais rien. Archi pas. Et quand je vous dis, tout le long, je roulais calmement, carrément, les autres, elles s'enjaillaient et tout. Et je m'enjaillais doucement, ouais, je m'enjaillais grave doucement parce que j'avais trop chaud. Franchement, je suis tombée sur un monsieur super gentil, hein. Je pense que d'autres personnes, ils auraient dit constat ou tu me donnes un billet en fait. Les gars, je suis en plein montage et je viens de me rendre compte que j'ai pas clôturé ma vidéo, donc je vais la faire en off. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse liker, partager, commenter et me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars.